On se situe ici sur les hauteurs de Huy, sur la colline de la Sarthe, où se trouve l'église dite Notre-Dame de la Sarthe. Et dans ce cadre-ci, on s'attache uniquement à restaurer une partie de l'église, c'est-à-dire le porche qui se situe derrière moi et qui a été construit par l'architecte hutois Vierzegaudin. Alors la mission du SPOE dans ce cadre-ci, c'est de gérer le dossier de A à Z, avec évidemment la clé des subsides qui financent les travaux. L'historien de l'art a des fonctions multiples au sein du SPOE. Première mission, inventorier le patrimoine. Deuxième mission, éventuellement classer, le protéger. Troisième mission, informer le citoyen. Quatrième mission, conseiller les communes et les auteurs de projets. Et cinquième mission, élaborer le projet de restauration et le suivre jusque dans le chantier. S'il n'y avait pas d'historien de l'art au SPOE, je pense qu'il y aurait une perte de la mémoire du patrimoine. Or, il faut connaître ce patrimoine et connaître son histoire pour davantage le protéger, le conserver et, le cas échéant, le restaurer dans son authenticité et dans son intégrité.